époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Mm-hmm. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau podcast Floraison. Floraison est un média autonome, autogéré par des stagiaires et qui soutient l'émergence d'une culture de résistance, libertaire, écologiste, féministe, antiraciste et antispéciste. Aujourd'hui, on vous présente notre conférence pour une écologie radicale. Donc c'est une conférence qu'on a déjà présentée plusieurs fois en fait dans plusieurs villes. Et on ne voulait pas la mettre en ligne avant de l'avoir testée en fait en direct. D'une, pour récolter des commentaires, des critiques, des réactions. Et de deux aussi, parce que c'est toujours l'occasion de faire un événement et des rencontres et permettre aux personnes de se rencontrer. C'est toujours des occasions utiles. Du coup, ce qu'on vous présente en fait est sous forme de podcast, mais est aussi sous forme d'articles sur le site, mais surtout de vidéos, parce qu'en fait on se base sur des images. En fait, la moitié de la conférence est sous forme d'images et de graphiques. Donc vous pouvez soit regarder sous forme de vidéo sur le blog, soit aussi carrément télécharger le podcast d'un côté, et aussi télécharger le document PDF qui va avec. Enfin bref, vous pouvez tout retrouver dans le corps de l'article. Pour une écologie radicale sur le blog Floraison. Donc cette conférence a été écrite par plusieurs personnes. En fait, c'est un travail assez collectif que nous on a repris, mais on doit aussi citer et créditer d'autres personnes, donc notamment John Amix, Max Wilbert et Dylan Thompson, voilà pour les crédits. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Alors la conférence, le podcast, se déroule en plusieurs temps. Donc tout d'abord, on va parler de l'état des lieux, de l'effondrement biotique qui est en cours, de l'écocide. Puis on verra les causes de cet effondrement, donc notamment sur qu'est-ce que c'est que la civilisation, et on verra un peu ce sur quoi elle repose. Ensuite, on analysera que cette civilisation nous a mené à une guerre qui est aujourd'hui menée contre le vivant. Ensuite, nous analyserons les structures et les valeurs de ce système, et dans un dernier temps, les stratégies pour riposter contre la civilisation. Et eh ben on y va, ça va être dense tout ça. On commence tout de suite avec une première partie pas très réjouissante, mais qui est un peu l'état des lieux actuel. On va voir pourquoi la biodiversité est si importante, pourquoi c'est un facteur de survie. Dans une communauté vivante, harmonieuse et fonctionnelle, aucune espèce ne s'accapare toutes les ressources nécessaires à la survie des autres, ou n'extermine ses concurrentes. En fait, chaque espèce nourrit ou se nourrit d'autres espèces, et ça forme ce qu'on appelle le cycle du vivant. Alors, en fait, pourquoi ça? Pourquoi c'est important? Parce qu'en cas de changement des conditions environnementales, la vie a plus de chances de s'adapter,
d'être résilientes si les espèces sont nombreuses et variées. Le vivant a besoin de la biodiversité, et c'est une règle qui joue un rôle essentiel. Elle a été respectée pendant des millions d'années. Mais si jamais une espèce décide de s'approprier toutes les ressources et de tuer toutes ses concurrentes, il y a un appauvrissement du vivant qui se produit, et cet appauvrissement menace non seulement cette espèce, mais la possibilité même de vivre sur la planète. Et comme vous vous en doutez, c'est le chemin sur lequel nous sommes engagés actuellement. En effet, on va passer un peu un petit état des lieux aujourd'hui de la biodiversité et de l'écocide en cours. On se repose ici sur des données scientifiques, mais pas que. En fait, finalement, on ressent un peu tous dans nos corps le dérèglement climatique. On entend tous l'appauvrissement des champs, des oiseaux. On est tous un peu effrayés face aux incendies de forêt. Mais voilà, on va un peu donner quelques chiffres qui nous semblent un peu pertinents pour voir l'étendue du désastre. Donc tous les signaux sont au rouge, les rapports ne cessent d'alerter sur l'effondrement du vivant. D'après une estimation de l'ONU, la civilisation entraîne l'extinction de 150 à 200 espèces par jour. Au cours des 60 dernières années, 52% des animaux sauvages ont été anéantis. L'océan est envahi de déchets, et le 7e continent est loin d'être un mythe. Des projections suggèrent même que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. En Europe, c'est 40 à 70% des oiseaux communs qui sont en déclin. Ce n'est pas seulement les animaux qui sont menacés, mais en fait l'intégralité du vivant. Aujourd'hui, 97% des forêts anciennes ont été détruites. En Amazonie, une surface équivalente à un terrain de football disparaît toutes les 7 secondes, et c'est chaque seconde dans le monde. Loin d'être cantonné dans des pays lointains, la disparition des ressources est aussi présente en Europe. Il faut bien comprendre que si aujourd'hui les principaux bassins d'extraction sont soit en Afrique ou en Amérique latine, c'est parce que les ressources de l'Europe ont déjà été épuisées. Seulement 0,7% de la couverture forestière d'Europe restante est primaire. En France, aujourd'hui, c'est 25 mètres carrés de champs et de forêts qui sont bétonnés chaque seconde. C'est un chiffre qui fait très peur, on a vérifié nos sources plusieurs fois, mais c'est l'état des lieux que nous connaissons aujourd'hui. On aurait pu parler aussi de toutes formes de pollution et d'autres nuisances, et c'est des chiffres qui sont malheureusement bien connus de nombreux et nombreuses militants écologistes. La liste est longue, nous pourrions continuer longtemps, mais bref, vous avez compris l'idée. Nous sommes au bord de l'effondrement biotique total, ce qui représente 500 millions d'années d'évolution qui sont en train de partir en fumée. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette destruction massive du vivant? Est-ce qu'il y a un complot derrière? Est-ce qu'il y a des grands méchants, des Illuminati qui veulent détruire la planète? Une puissance supérieure? Ou encore une autre thèse qui est malheureusement trop souvent défendue, comme quoi l'humain serait intrinsèquement destructeur? Eh bien non, on ne pense pas ça. On pense que tout cela est structurel et que nous sommes comme prisonniers et prisonnières d'une immense méga-machine qui transforme le vivant en marchandise d'un côté et en zone morte de l'autre. Il faut s'intéresser donc aux mécanismes de cette machine que l'on appelle la civilisation industrielle. Donc nous arrivons à la deuxième partie de cette conférence, la civilisation, qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Et pour cela, on va d'abord s'attarder sur l'agriculture, car c'est un des grands problèmes de la civilisation que nous connaissons, c'est qu'elle repose sur l'agriculture. Qu'est-ce que l'agriculture? Vous prenez un bout de terrain, vous le débarrassez de tous les êtres vivants jusqu'à la moindre bactérie, puis au lieu de partager le terrain avec des millions d'autres espèces, vous cultivez pour la consommation exclusive des humains. Autrement dit, c'est de l'éradication biotique. Tout est fait pour nourrir les humains ou alors pour nourrir les animaux que les humains mangent par la suite. Cela a plusieurs conséquences. Premièrement, ça fait que la population mondiale de l'espèce humaine atteint un nombre gigantesque. Deuxième conséquence, cela détruit les sols, et le sol, on ne vous apprend rien, est le berceau de la vie terrestre.
Mis à part aujourd'hui les 46 tribus restantes au monde de chasseurs-cueilleurs, l'humanité s'est rendue totalement dépendante d'une activité qui est en train de détruire la planète. C'est quelque chose qui met du temps à réaliser, mais l'agriculture exerce non seulement une pression sur les sols qui est insoutenable et qui ne sert que l'espèce humaine au détriment de toutes les autres. On nous a fait la critique que il y a d'autres formes d'agriculture dont on pourrait parler, qui ne détruisent pas les sols, qui sont basées sur la régénération, aussi certaines formes de pastoralisme, effectivement. Mais ce qu'on veut présenter ici, c'est que la logique d'accaparement d'une zone et à destination de nourrir seulement une espèce entraîne des conséquences désastreuses si elles ne sont pas remises en question. Petite histoire de la civilisation. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation de masse, que l'on appelle société capitaliste. Il est important de décentrer le regard, parce que des mécanismes présents dans cette société sont déjà en germe dans un type d'organisation particulier, qui est la civilisation. Ce qu'on appelle la civilisation, en fait, c'est pas une en particulier, c'est une forme d'organisation des sociétés bien particulière qu'on retrouve dans de nombreuses civilisations. Pour faire simple, basé sur l'émergence et la concentration des villes. La civilisation industrielle n'est que la façon dont la civilisation a évolué jusqu'à l'époque moderne. On pense que le capitalisme et l'industrie sont des vrais problèmes, qui doivent être démantelés, évidemment, mais que ce mauvais tournant pour l'humanité a commencé bien avant, bien plus tôt, et au moment de l'émergence notamment de la sédentarisation et de l'agriculture. Alors, avant l'émergence de la civilisation, l'organisation de sociétés humaines n'était globalement que le prolongement de l'écosystème local. Si on revient 10 000 ans en arrière, au moment où la division du travail émerge, la sédentarisation commence avec la domestication des animaux humains et non humains, et aussi des végétaux. L'agriculture se développe, notamment dans le croissant fertile, en Mésopotamie. Et quelques millénaires plus tard, on observe l'avènement des premières cités-états, que l'on appelle aussi les premières civilisations humaines. À ce titre-là, il y a un livre qui s'appelle Homo Domesticus de James Scott, qu'on conseille vraiment de lire, et d'ailleurs on fera sûrement une fiche de lecture de ce livre plus tard. Et d'ailleurs, vous noterez aujourd'hui que le croissant fertile qui s'étend de la vallée du Nil jusqu'à l'Irak est loin d'être encore fertile de nos jours. On y trouve surtout des terres arides, semi-désertiques, si bien qu'on peut un peu modifier le célèbre adage pour dire « Les forêts précèdent les civilisations et les déserts les suivent. » C'est à ce moment-là, au moment de la sédentarisation, que certains humains commencent à imposer une logique d'expansion, de colonisation au sein de leur environnement. Les « civilisés » entre guillemets, se sont considérés comme différents et supérieurs du reste du vivant. Et de cette supériorité, c'est une logique qui évidemment considère la nature comme une ressource et qui justifie son accaparement total. Ces humains, ces sociétés, commencent alors à contrôler, à tuer, à domestiquer le vivant et évidemment à croître au-delà des limites environnementales. Ils rentrent dans une guerre contre tout ce qui n'est pas eux-mêmes. La civilisation est née et avec elle, l'esclavage et le patriarcat se renforce. La civilisation est sans cesse dans une logique de conquête et d'occupation. Pour se maintenir, la civilisation a besoin d'une hiérarchie, de pouvoir et de tout un système de valeurs. Les civilisés considèrent qu'ils ont le droit de croître, quel qu'en soit le prix. Pour subvenir à ce désir de croissance, pour développer son agriculture, pour accéder à certaines ressources, ils s'étendent de plus en plus et chassent les êtres vivants qui vivaient auparavant sur ces territoires. On aime beaucoup cette citation de Stanley Diamond. La civilisation découle des conquêtes à l'étranger et de la répression domestique. Cette dynamique, en fait, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Si on regarde les peuples autochtones qui sont sans cesse chassés et exterminés, les femmes qui sont toujours exploitées, on voit que la civilisation continue d'occuper et de conquérir des territoires. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de lieu vide. L'espace est toujours habité. Quand la civilisation agrandit son territoire, elle le fait toujours au détriment des communautés humaines et non humaines qui vivent autour. Elle impose son modèle partout sur la planète jusqu'à atteindre l'hégémonie, qui est aujourd'hui totalement mondialisée.
C'est la déforestation pour la culture, c'est l'extraction pour la production, c'est la bétonisation pour le transport et la consommation. En somme, c'est une hostilité constante, une occupation des territoires, une soumission des dominés. Bref, c'est une guerre. L'image qu'on a choisie pour illustrer ce paragraphe, ce sont deux bas-reliefs assyriens, donc berceau des premières civilisations, et qui sont hallucinants parce que c'est en fait, il y en a énormément et c'est presque tout le temps des hommages à la guerre, à la colonisation et à l'esclavage. Donc à gauche la guerre, à droite l'esclavage via l'agriculture. Ce qui nous amène à la troisième partie, une guerre menée contre le vivant. Et guerre, le mot est fort. Et on va voir pourquoi c'est une thèse qu'on défend. Qu'on peut vraiment parler d'une guerre menée contre le vivant. Identification à l'ennemi. Alors, une citation d'Eric Jensen. Que feriez-vous si les extraterrestres avaient envahi la planète, s'ils vidaient les océans, rasaient les forêts naturelles, construisaient des barrages sur toutes les rivières, modifiaient le climat, contaminaient à l'aide de dioxines et de multiples produits cancérigènes le lait maternel, la chair de vos enfants, de votre compagne ou compagnon, de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis, ainsi que la vôtre. C'est une situation qui ressemble en fait à la situation actuelle. Et on dirait presque la description d'un blockbuster, quoi. Independence Day ou n'importe quel autre où il y a une attaque d'aliens. Mais aujourd'hui, c'est le constat, sauf qu'en fait, c'est pas des extraterrestres qui viennent. Alors, à quel point la situation devrait empirer avant de comprendre que c'est réellement une guerre qui est menée contre le vivant ? Qu'est-ce qui nous empêche d'admettre que c'est une guerre ? Pourquoi ne reconnaissons-nous pas l'ennemi ? Alors, il y a une des réponses à ça, qui est triste. C'est parce que nous identifions à cet ennemi. Nos imaginaires sont colonisés parce que nous bénéficions en partie de cette guerre. Combien de fois avons-nous entendu, à la télé ou dans des débats, que le capitalisme, en fait, c'est l'air que nous respirons, que c'est en nous-mêmes, que c'est une partie de nous-mêmes. Tant que les dominés s'identifient à leur oppresseur, il ne peut y avoir de mouvement de résistance. C'est un principe pour commencer à entrer en résistance, pour résister, pour se soulever face à la domination, c'est d'arrêter de s'identifier à l'ennemi, d'arrêter de penser qu'il est en nous-mêmes. C'est un principe qui est aussi à l'œuvre dans toute forme de résistance, même quand une femme décide de ne plus subir la violence des coups d'un homme ou de son mari, tant qu'elle s'identifie elle-même à l'agresseur, elle ne peut pas entrer en résistance. Et c'est triste, c'est la situation dans laquelle on est maintenant, c'est pour ça qu'on essaye, dans cette conférence, mais aussi sur le blog Floraison, un peu partout, d'utiliser le « nous » pour désigner l'ensemble des personnes qui résistent à la civilisation industrielle, et « eux » ou « leur » quand on parle des capitalistes, des industriels, etc. Pour casser un peu cette logique d'identification à ce contre quoi on lutte. Si on utilise aujourd'hui le terme de guerre, c'est parce que la civilisation est dans une violence permanente et étendue. L'histoire que nous avons décidé de jouer il y a 10 000 ans favorise et valorise la production avant la vie. Pour la civilisation et dans sa forme moderne, industrielle et capitaliste, les besoins du système économique sont plus importants que ceux du monde naturel. Alors que la nature peut exister sans une économie industrielle, l'inverse est totalement impossible. Cette société ne défend que l'économie mondiale, la croissance au détriment de la nature. La civilisation exige une violence généralisée pour exister, à la fois envers les autres espèces et à l'intérieur de notre propre espèce. Sans cette violence permanente et étendue, la civilisation s'effondrerait. Il est impossible aux dominants d'avoir constamment un fusil pointé sur chaque dominé pour le ou la faire obéir. Heureusement pour eux, il n'en a pas besoin, car l'ordre établi a été intériorisé. Cette violence est invisible, car largement acceptée et rationalisée quand elle vient du haut de nos sociétés, hiérarchisées, donc là on peut parler de l'État, de la police, des institutions, des patrons, des maris. Par contre, quand elle vient d'en bas,
La violence est inacceptable. Il y a donc deux poids, deux mesures. Quand les riches détruisent les vies et les écosystèmes pour augmenter leurs propriétés, c'est la production. Mais quand les pauvres, eux, ripostent et abîment les propriétés des riches, cette résistance est appelée violence. Quand on dit que la violence elle est intériorisée, c'est dans le sens où, bah, comme on voit sur l'image là, utilisée en exemple, à gauche, c'est à Derry, en Irlande du Nord, pendant le soulèvement et Bloody Sunday. Donc après le soulèvement d'une population, des chars d'assaut arrivent en plein milieu de lieux d'habitation. Et il suffit qu'en fait le souvenir de cet événement soit présent dans les mémoires pour que la menace de la violence, la promesse de la violence suffise à faire que les gens peur. Ont peur, voilà. Et la violence n'a pas besoin de se montrer chaque jour, dans chaque seconde, puisqu'elle est comme une épée de Damoclès en fait au-dessus de chaque personne dominée. L'esclavage, tissu des civilisations. Combien d'entre nous savent qu'il y a au moins 27 millions d'esclaves dans le monde. Aujourd'hui que 168 millions d'enfants travaillent. Que le chômage, en France, chaque année, tue entre 10 000 et 20 000 personnes. Que le capitalisme tue environ 20 millions de personnes chaque année dans le monde. 20 millions. 20 millions de personnes qu'on pourrait soigner, nourrir, parce qu'on sait faire, on pourrait, on ne le fait pas parce que ces personnes ne sont pas jugées rentables par le système, ne sont pas jugées de valeur par l'économie. La chaîne d'approvisionnement de la civilisation a servi actuellement plus d'individus qu'à n'importe quelle autre période. L'esclavage est partout. Il est dans le coton de nos t-shirts, dans le tantal de nos smartphones et dans les grains du café. Il est dans les champs, dans les mines, dans les usines de transformation des matières premières. L'esclavage, en fait, est le tissu des civilisations depuis leurs origines. Les civilisations ont recours aux prisonniers pour l'agriculture, pour les grands travaux, ou au service des classes dominantes. Cette violence est systémique, ce qui signifie qu'elle ne se produit pas simplement à cause d'une mauvaise politique publique, comme on l'entend souvent, ou parce que nous n'aurions pas les bonnes personnes au pouvoir, du coup, allez voter. Cette violence est intégrée dans la structure même de la civilisation industrielle et de l'économie. La violence est un vecteur de prédation, elle génère des profits, elle est donc hautement récompensée par ce système. La civilisation est hiérarchisée, centralisée, patriarcale, coloniale, spéciste, raciste et homophobe. Elle célèbre, elle valorise la violence des forts contre les faibles, le pouvoir, le militarisme, et elle se met en scène dans des œuvres de propagande et d'architecture monumentale. Selon Kevin Bales, qui a étudié l'esclavage dans le monde, le nombre de 27 millions d'esclaves reste une sous-estimation. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte les millions d'autres esclaves, les employés des ateliers clandestins, ceux qui sont contraints à l'esclavage à cause de difficultés économiques, les esclaves sexuels, etc. Et tout simplement parce qu'il ne prend pas en compte cette forme bien particulière d'esclavage, l'esclavage libre, c'est-à-dire le salariat. La civilisation peut donc se définir comme un état de guerre permanente et mondiale menée contre la biodiversité. Où que l'on regarde, le désastre écologique et social est le prix que les humains payent pour avoir joué une histoire qui fait de l'humanité l'ennemi du monde vivant. Non seulement c'est une guerre, mais c'est une guerre totale. On insiste vraiment sur ce mot « guerre » puisque ensuite on va aborder les stratégies pour riposter à cette guerre. Mais si c'était pas encore clair, on va le dire une dernière fois, pensez aux peuples autochtones qui sont sauvagement chassés ou exploités pour produire des biens et des services bon marché. Si vous pensez que c'est pas une guerre, pensez aux gens qui sont sur le front, à Bure, pensez à Adama Traoré, à la famille Traoré, aux Gilets jaunes. Pensez, si vous croyez que ce n'est pas une guerre, pensez aux Mapuches, martyrisés par l'État chilien. Pensez aux forêts abattues, aux orques qui meurent de faim, aux saumons, aux millions de réfugiés climatiques, etc. C'est une guerre. Et, basiquement, pour mettre fin à cette guerre, il faut empêcher l'ennemi de la mener.
Face à cela, la seule position tenable moralement est de s'opposer à ce système. Comme le dit Learcate, la tâche d'un ou d'une activiste n'est pas de naviguer au travers des systèmes d'oppression avec le plus d'intégrité possible, c'est de démanteler ces systèmes. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, parce que ne pas prendre parti contre ce système, c'est faire le jeu du système, c'est collaborer avec lui. Avant de démanteler le système en question, il faut comprendre qu'il repose sur deux composantes, sa structure et ses valeurs. C'est ce que nous allons voir dans cette partie, afin de savoir comment riposter par la suite. Tout d'abord, la structure du système. La structure du système, c'est toutes les choses réelles, matérielles et concrètes qui le composent. La structure de la civilisation industrielle est assez simple. Il s'agit de l'industrialisme, un système de production mécanisé. Donc celui-ci, il repose sur 5 piliers ou nœuds principaux. L'énergie, l'extraction, le transport et la communication, la finance et la technologie. Et ce système poursuit 3 objectifs principaux. Accéder aux ressources, extraire ces ressources et les faire rentrer dans un système de production. La civilisation industrielle ne fait jamais rien si ce n'est pour remplir l'un de ces 3 objectifs. Ce qui revient à transformer l'entièreté du monde vivant en marchandise. Tout, que ce soit des coupes à blanc dans les forêts, les mines à ciel ouvert, mais aussi les atrocités auxquelles on pense moins, comme le travail, la consommation de loisirs, la violence policière, le génocide ou le viol, tout est une question de ressources. Contrôler, extraire, faire rentrer dans le circuit industriel. La résistance, elle, doit se concentrer sur l'arrêt de l'un de ces 3 objectifs. On va revenir successivement sur les piliers sur lesquels repose l'industrialisme. Donc tout d'abord l'énergie, qui est au centre de ce processus. Donc sans énergie, les extractions qui saignent les montagnes s'arrêtent de tourner. Sans énergie, les ordinateurs nécessaires à l'électronique industrielle ou à la robotique s'arrêtent de fonctionner. Sans énergie, les usines dans lesquelles les terres sont transformées en batteries de voitures ou en panneaux solaires s'éteignent. Sans énergie, la civilisation industrielle n'a rien et n'est rien. Après cela, on retrouve l'infrastructure d'extraction qui arrache les ressources, broie, asphyxie la planète et massacre les êtres vivants. Cela englobe l'exploitation minière, l'exploitation forestière, les fractures hydrauliques, le raffinage de pétrole, mais aussi l'industrie éolienne et solaire. L'extraction est organisée grâce aux infrastructures de transport et de communication. Donc là, ce sont toutes les lignes téléphoniques, les tours cellulaires, Internet, les chemins de fer, les routes, les ports, etc. Les transports et les communications permettent aux différentes parties du système industriel de fonctionner ensemble. C'est donc un pilier essentiel aussi. Enfin, l'extraction, les transports, la communication dépendent du système financier, pour que les capitaux circulent librement sur un marché fluide, et de l'industrie technologique, dont les innovations permettent d'augmenter l'efficacité du système, donc de la production. On comprend bien donc que ces 5 piliers sont très fortement en interrelation. Ces 5 piliers s'appuient tellement les uns sur les autres, de telle sorte que si une attaque était correctement dirigée contre l'un de ces piliers, les autres seraient paralysés. Cependant, le système ne se résume pas seulement à des infrastructures, mais aussi aux valeurs, que nous allons voir maintenant. Alors, les valeurs du système. Quand on parle des valeurs de ce système industriel, on entend en fait l'idéologie, l'imaginaire, parfois même la religion, inventée pour défendre ces structures. Ici, on parle de la civilisation industrielle, mais ça se confond avec toute civilisation, c'est qu'au cœur de toute civilisation, il y a l'expansion. L'expansion, qu'est-ce que c'est ? C'est la croissance pour la croissance. C'est une valeur cardinal pour toutes les civilisations, dont le capitalisme est l'ultime avatar. Le capitalisme de crise, lui, est caractérisé par une constante fuite en avant pour échapper à la baisse du taux de profit, notamment, et il poursuit le même mirage d'expansion infinie que les civilisations qui l'ont précédé.
L'expansion s'appuie sur trois valeurs, comme on voit sur le schéma, trois groupes de valeurs en fait, les hiérarchies, la stabilité et l'efficience. Alors les hiérarchies, qu'est-ce que c'est ? Les hiérarchies, c'est classer. Hiérarchiser, c'est classer. C'est classer les êtres vivants. Supérieur, inférieur. Dominant, dominé. Bourgeois, prolétaire, etc. La civilisation industrielle a absolument besoin de hiérarchie. Parce qu'un système social libre et égalitaire rend impossible une production forcenée et donc impossible une expansion sans fin. Qui irait travailler au fond d'une mine s'il n'était pas obligé de le faire pour survivre ? Comme disait Marx, employant l'aiguillon de la faim au lieu du claquement de fouet, la division de la société en classes, la compétition, la suprématie blanche, le patriarcat et la suprématie humaine sont au cœur de la civilisation industrielle. Sans hiérarchie solide, la capacité à extraire des ressources est directement menacée. Une deuxième valeur cardinale est la stabilité. Donc pour mener à bien ses destructions et son expansion à l'extérieur, la civilisation a besoin d'une stabilité intérieure. Elle doit mener, ou maintenir en tout cas, une certaine paix sociale, ce qui revient à neutraliser la résistance des classes dominées, contre lesquelles elle mène une guerre de basse intensité. Elle cultive à cette fin le confort pour les uns, la répression pour les autres. En somme, c'est un peu le bâton et la carotte. L'ignorance et la peur. En noyant les gens dans un océan de marchandises, en les gavant de programmes idiots, ce qui n'est pas quelque chose de nouveau, avant c'était le pain et les jeux de gladiateurs, aujourd'hui c'est l'information continue, une overdose de messages anxiogènes sur des centaines de chaînes de télévision. Tout à coup, les personnes ne voient plus la destruction autour d'eux, ils sont médusés, ne peuvent pas passer à l'action, ou alors ils cessent simplement de s'en soucier. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui à travers l'éco-anxiété finalement, où on est abreuvé de messages et d'alertes sur l'état du monde qui nous empêche en fait et nous neutralise pour passer à l'action. Et on prépare aussi un podcast sur un livre qui a l'air super qui est « Divertir pour dominer ». La civilisation industrielle maintient ses sujets dans une situation de dépendance technique, psychologique, chimique et ils ne savent plus vivre. L'idée de pouvoir se passer de ce système se fait toujours plus distant et en fait on arrive plus à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. La division du travail, toujours plus poussée et spécialisée, la moindre parcelle de nos vies, de nos subjectivités, devient marchandise. En ce sens, nous subissons une extrême aliénation, une perte de sens, une frustration grandissante que des loisirs ou des religions aujourd'hui peinent à combler. Et troisièmement, un troisième groupe de valeurs nécessaires à soutenir l'expansion, l'efficience. L'efficience, c'est l'optimisation des performances, évidemment, pour se développer. Et du taylorisme au lean management, en passant par les Jeux Olympiques, la logique est toujours la même. Écrasement de l'adversaire, légitimation de la violence, triomphe sur les faibles, record de production. Le consumérisme accroît l'efficacité, bien sûr. On sait très bien qu'en capitalisme, on est toujours dans une société de production et non de consommation. Mais la consommation pour épuiser les stocks depuis les premières crises liées à la saturation des marchés, est une forme de mirage qui est poursuivi par les personnes à grands coups de renfort marketing pour évidemment que les gens achètent, que la production puisse augmenter et s'écouler. Mais évidemment, le plus grand soutien idéologique de la civilisation industrielle provient du mythe du progrès. Alors, le mythe du progrès, ça c'est quelque chose. C'est une croyance culturelle selon laquelle les êtres humains étaient originellement faibles, sans valeur et violents, et que ça s'est amélioré, et que ça s'améliore inéluctablement avec le temps. Il y a une citation de Kirkpatrick Sale qu'on aime bien. Le progrès est le mythe qui nous assure qu'en avant tout n'a jamais tort. L'écologie est la discipline qui nous enseigne que c'est un désastre. La réalité, c'est que l'humain n'est pas en haut d'une pyramide de l'évolution et il n'est pas au centre de l'univers. En fait, nous sommes sur une des nombreuses branches de l'arbre du vivant et on habite une planète parmi des centaines de milliards d'autres. Autant de blessures narcissiques. Alors, je vais m'arrêter 5 secondes sur ce tableau qu'il y a en illustration. Il est fascinant. C'est donc American Progress de John Gast en 1872. C'est pas un tableau critique, hein. C'est au premier degré. Donc,
qu'est-ce qu'on a sur ce tableau? On a en fait, c'est la conquête de l'Ouest. Il s'agit de la destinée manifeste du peuple occidental qui conquiert l'Ouest nord-américain. C'est une idéologie qui a été inventée pour soutenir l'avancée inexorable des Occidentaux vers l'Ouest du continent. Alors, ce qui est admirable, c'est qu'il y a tout qui est résumé sur ce tableau, tout ce qu'on est en train de décrire. Donc, à gauche, on a les peuples autochtones qui vivent en chassant. Et les animaux. Et les animaux, la vie sauvage. Et puis, en fait, c'est peu à peu remplacé par, pas par l'agriculture, qui sera bientôt intensive, d'ailleurs. Et puis, avec des armes. On a... L'électricité, les voies de communication. Voilà, le train. Et puis, donc l'allégorie là, de la destinée manifeste qui avance, sourire aux lèvres, vers son destin... Elle a dans sa main un livre sur lequel est écrit « Schoolbook », parce que l'éducation est une forme de colonisation. En tout cas, l'éducation telle qu'on la connaît. Du coup, grâce au mythe du progrès, si les maîtres parviennent à persuader les personnes qu'elles ont une destinée spéciale, manifeste, divine, et que ces personnes réaliseront cette destinée grâce au développement et grâce à l'expansion, alors elles seront heureuses de trouver de nouvelles manières toujours plus efficaces d'y travailler. Et c'est là que le scientisme, c'est-à-dire la célébration et l'adoration de la science, entre en jeu, car bien entendu, la majeure partie de l'augmentation de l'efficacité de la civilisation industrielle et de la guerre est un produit de la science. Les modes de connaissance des mondes autochtones sont principalement axés sur la création d'un lien sacré et respectueux avec le monde vivant, ce qui, bien sûr, est une très mauvaise idée si vous cherchez à piller, à éliminer ce qui peut être éliminé, et à vendre ce qui peut être vendu. Si vous voulez dominer le monde, la science est votre meilleur instrument. Vous pouvez soumettre le vivant, la matière, à vos moindres désirs, et vous écrier « ça marche ». Et c'est vrai, ça marche. La science fait décoller des fusées, et c'est merveilleux. Mais votre technologie vous dirige toujours vers une société plus vide, plus artificielle, et uniformisé, et vous rompez peu à peu toute possibilité de relation amicale avec le reste du vivant. Notre propos ici, bien sûr, n'est pas de rejeter catégoriquement la science, mais plutôt la croyance selon laquelle elle décrit vraiment et totalement le monde tel qu'il est, et de façon non neutre. On prépare d'ailleurs d'autres podcasts sur ce sujet, parce que ça mérite vraiment. Peut-être pour illustrer ça, on peut donner quelques exemples qu'on aime bien dire. Par exemple, au lieu de dire « j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière », c'est comme si la science vous amène à dire « ma famille a diminué entre 10 et 15% au cours de l'année dernière ». Ou bien, dans un repas de famille, en fait, on n'est pas obligé de se compter les uns les autres pour savoir qu'il manque quelqu'un. Donc à cet égard, vous comprenez bien que les mathématiques sont un certain rapport au monde, et un rapport bien particulier. L'abstraction induite par les nombres n'est pas un outil neutre et contient déjà un projet de domination. D'ailleurs, les nombres ont été inventés pour compter les récoltes, les premières formes d'écriture pour énumérer les propriétés à la fois humaines et non humaines, esclaves, femmes, nourriture. On ne rejette pas catégoriquement la science. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a utilisé en début de ce podcast des nombres. On est d'accord que ces nombres ne permettent pas, en fait, de décrire véritablement l'état de la planète et l'écosystème auquel nous assistons. Comme je l'ai dit, il existe aussi un rapport sensible au monde et on ressent tous aujourd'hui des sentiments, des émotions face à la perte de biodiversité, face à la fin des champs des oiseaux. Et ça se manifeste aussi quand on voit les vidéos des koalas qui brûlent, dans les forêts qui brûlent en Australie, ça nous fend le cœur. Mmh. Les chiffres aussi nous fendent le cœur, mais peut-être pas autant. Oui, donc déconstruire le mythe du progrès, c'est long. On va peut-être terminer par juste une citation qu'on aime beaucoup, qui est une citation de Lewis Mumford. « C'est dans le monde marchand en expansion qu'on commença à compter des nombres et, à la fin, seuls les nombres comptèrent. » Donc voilà, on a vu un peu les valeurs du système et de la civilisation. On pourrait en opposer
dans la perspective de dépasser l'idéologie associée à l'industrialisme. Mais en fait, on n'est pas là pour ça. Le but n'est pas de proposer un programme politique détaillé. Ce serait malvenu. Et ce serait totalement hors propos. Nous considérons qu'en fait, c'est des décisions qui doivent être prises collectivement, le plus localement possible. Mais en revanche, on propose une certaine... certaines valeurs qu'on pourrait soumettre. Donc c'est un peu le tableau qu'on présente entre valeurs de la civilisation industrielle et les valeurs de ce qu'on a nommé une anarchie verte et féministe. Pour ouvrir des perspectives, par exemple, à l'expansion et à la croissance, on peut opposer l'équilibre écologique, être soutenable. Aux dominations et aux hiérarchies, on peut opposer les valeurs de liberté, d'égalité, d'horizontalité. Au lieu de faire la guerre et la conquête, ben, on peut imaginer des cultures basées sur l'amitié et la coopération. Quelque chose aussi qui est très, qui est plein de promesses, c'est au lieu de développer des technologies, des techniques autoritaires, high-tech, on peut se diriger vers les low-tech, des techniques démocratiques, parce que les techniques ne sont pas neutres, elles émergent de sociétés autoritaires ou égalitaires et elles nous dirigent vers des sociétés autoritaires ou égalitaires. Voilà. Et à la division du travail, on peut opposer, chacun fait sa propre vaisselle. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le capitalisme et la civilisation industrielle prend sa place dans une histoire plus longue, qui est celle de la civilisation, qui est faite de conquêtes et de domination. On a vu que cette civilisation mène une guerre contre le vivant et qu'elle s'appuie sur une structure et une idéologie. Donc maintenant, on va passer à la meilleure partie de ce podcast, qui est comment riposter afin de démanteler ce système. Alors, stratégie pour riposter. C'est là que prend sens pourquoi on a passé autant de temps à décrire qu'est-ce qu'était la civilisation industrielle et quel était l'état des lieux. C'est pour définir notre problème. Parce que les stratégies, tout le monde parle de stratégie, on aime bien parler de stratégie, mais... les stratégies découlent de l'analyse d'un problème. C'est-à-dire que d'abord, on a le problème. Ici, c'est la civilisation industrielle. Du problème découle un objectif. Démanteler la civilisation industrielle. Et par là même, soutenir la construction d'alternatives. Pour atteindre cet objectif, on réfléchit à des stratégies. Et ensuite, les tactiques, c'est l'ensemble des actions utilisées pour mettre en œuvre notre stratégie. Donc, les tactiques découlent des stratégies qui découlent de l'objectif et non l'inverse. C'est toujours curieux de voir des personnes qui commencent à se dire quelle action je peux faire avant d'avoir réellement analysé le problème. Si on parle de stratégie, on voit qu'il existe plusieurs manières de se battre. Soit une stratégie offensive, soit une stratégie défensive. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'une stratégie offensive. Donc sur le schéma, c'est ce qu'il y a en rouge. C'est une stratégie qui prend du territoire, des ressources ou du pouvoir à l'adversaire. Tout ce que fait le système est offensif et contribue à augmenter son territoire, ses ressources ou son pouvoir. En fait, la civilisation, quand elle occupe des rivières par des barrages, qu'elle détruit des écosystèmes, quand elle emprisonne, massacre, menace, déporte, exploite pour pouvoir accéder aux ressources, ou encore quand elle finance des lobbies, ou des partis pour étendre ses droits. En fait, on voit qu'elle est toujours dans une logique de soit occuper des territoires, prendre des ressources ou du pouvoir. Le système n'est presque jamais sur la défensive, il est toujours dans l'attaque. Il a donc l'initiative, il choisit donc le terrain de bataille. Face à ça, qu'est-ce qu'une stratégie défensive ? Sur le schéma que vous voyez à l'image, c'est en noir, la défense. La défense, en fait, c'est d'empêcher la force adverse qui est en train d'attaquer d'obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire des ressources, un territoire ou du pouvoir.
La plupart du temps, une action défensive réduit simplement ce que l'ennemi gagne. Nous avons vu que dans le conflit qui nous intéresse ici, que la guerre dont on parle, c'est celle qui oppose la civilisation industrielle à la biodiversité. Alors, en tant qu'écologistes, nous nous situons du côté de la communauté du vivant et nous subissons les attaques du système. Alors, prenons un exemple concret, un promoteur immobilier ou... Un projet d'aéroport, voilà, ou de barrage, bon, on va dire un aéroport, voilà. L'industriel, en partenariat avec l'État, veut construire un aéroport pour se développer. Le problème, c'est qu'il va... Ou un center park, tiens. Le problème, c'est qu'il va détruire des forêts. Il va détruire des lieux de vie. Nous, les écologistes, on veut empêcher ça. Et il a choisi le terrain de bataille. Donc, on va utiliser des stratégies défensives. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stratégie défensive? On peut utiliser des occupations de terrain, des pétitions, des manifestations, des recours en justice. Et l'objectif, en fait, c'est d'empêcher qu'ils s'étendent. Et... victoire, par exemple, on a un expert à trouver des zones humides sur le territoire qui seront préservées, et au final, le projet, en fait, il y a seulement 50% du projet qui sera fait. Alors, est-ce que c'est vraiment une victoire? On a envie de le dire, parce qu'on a besoin de victoire, mais malheureusement, c'est juste une défaite un peu moins grande. On n'a pas gagné, on a seulement... un peu moins perdu. L'ennemi a juste un peu moins progressé. On a seulement minimiser les dégâts consubstantiels à la civilisation industrielle. On l'a empêché de s'étendre, on n'est pas du tout allé attaquer son cœur, ce qu'il maintient en place. Il est toujours en place et il n'a pas été affaibli. Ce qui nous amène à la conclusion que... nous ne pouvons pas gagner une guerre en utilisant uniquement des stratégies défensives. Donc, il ne s'agit pas de dire que la stratégie défensive n'est pas... envisageable, elle est évidemment à faire aussi en parallèle, mais en fait, le mouvement écologiste aujourd'hui est uniquement concentré sur des batailles défensives et ne se concentre pas sur des gains offensifs qu'il pourrait avoir. On pourrait même affirmer que le mouvement écologiste ne peut même pas concevoir une campagne offensive contre l'écocide en cours. Quand on parle de campagne offensive que pourrait mener le mouvement écologiste, il s'agirait non seulement de reprendre du territoire à la civilisation industrielle, mais aussi que ces territoires redeviennent des lieux de vie pour la communauté biotique. Donc c'est un champ cultivé qui redeviendrait sauvage, c'est une mine de charbon où la forêt repousse, ce serait un barrage qui s'effondre pour que les saumons puissent remonter. Nous ne perdons pas par paresse ou par manque de conviction, comme on l'a vu, nous sommes conditionnés à utiliser des stratégies uniquement défensives. Le mouvement écologiste est né par des actions défensives, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on s'attaque au problème écologiste. Nous appliquons une méthode qui pourtant ne peut pas gagner, même avec beaucoup d'énergie. Et il est normal aujourd'hui que le mouvement écolo perde des forces, des énergies. Mais c'est pas une fatalité, par des actions nous pourrions gagner, et d'ailleurs il faut gagner pour conserver une planète vivante. On aime beaucoup la citation de Malcolm X qui dit, donc je cite, « Si vous plantez un couteau de 20 cm dans le dos et que vous le ressortez de 10 cm, ce n'est pas un progrès. Même si vous le retirez complètement, ce n'est pas un progrès. Le progrès consisterait à guérir la blessure causée par le coup. » Donc non seulement il faut empêcher les destructions, mais aussi permettre que la vie et le vivant se rétablissent. Voilà le cadre de pensée qui nous semble nécessaire d'avoir. L'image, les photographies qu'on a utilisées, là, c'est dans le delta du Niger, qui est ravagé pour l'exploitation de ses ressources, notamment par des capitalistes, les multinationales. Des lieux de vie sont totalement saccagés, pollués, ce qui a amené une partie de sa population d'abord à résister de façon non violente. Les leaders de la contestation non violente se sont fait pendre. Et donc ils sont passés à l'étape supérieure, un peu plus musclée. On vous conseille de vous renseigner, on n'a pas le temps ici, mais on vous conseille de vous renseigner sur le MEND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, qui ont réussi à faire chuter d'un tiers la production de pétrole du pays. Voilà. Par contre, ils prennent des risques. Mais ça marche. Mettre le système en échec. Jusqu'à présent, nous avons vu l'impasse dans laquelle nous nous trouvons.
où on ne peut pas gagner par des stratégies uniquement défensives. L'idée même d'attaquer la civilisation industrielle paraît être une tâche infaisable et gigantesque. Et pour cause, l'ennemi est surpuissant. Il a presque tout, et nous sommes si faibles en comparaison. Il dispose d'armes à feu, de bombes, de policiers, de prisons, ainsi que de chaînes de télévision, d'informations quotidiennes, mais du système aussi judiciaire, bref, de tout ce dont il a besoin pour gagner. Il s'agit d'un conflit asymétrique, extrêmement asymétrique, c'est-à-dire quand un ennemi est beaucoup plus puissant qu'un autre. Alors, comment mener, est-ce que c'est même possible de mener et de remporter des actions offensives contre un ennemi un millier de fois plus puissant que nous? Comment gagne-t-on quand on est David contre Goliath? Eh bien, c'est possible. Et cette configuration porte un nom, la guérilla. Cette situation a déjà existé, elle est même documentée, étudiée par les armées les plus puissantes du monde, par les stratèges de toute l'histoire. Ils ont développé des stratégies offensives pour déstabiliser des états entiers, même en situation d'infériorité. D'ailleurs, on en a parlé dans le podcast consacré à Full Spectrum Resistance, d'ailleurs qu'on encourage les personnes intéressées à lire. Il y a la façon dont le Vietnam a mis en échec l'armée la plus puissante du monde. La guérilla développe des stratégies qui non seulement visent à remédier à cette inégalité de ressources et de pouvoir, mais en plus, et c'est là qu'on pourrait qualifier ça d'un art, en plus à en tirer parti, comme justement pendant la guerre du Vietnam. Tout l'art de la guérilla est de frapper là où l'ennemi s'y attend le moins, et pourtant là où il est le plus vulnérable. L'avantage de l'attaque est que nous choisissons le champ de bataille. Il ne s'agit pas d'occuper un territoire, ce qui demanderait énormément de ressources et d'énergie. Ça, c'est ce que fait la civilisation. Alors, sur ce schéma, on a regroupé certains principes de la guerre asymétrique qui sont connus et étudiés. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dans Full Spectrum Resistance, vraiment, il y a tout un chapitre sur les stratégies qui est consacré à ça, pour comment tirer parti d'une situation d'infériorité et gagner, en fait, mettre en échec l'ennemi alors qu'on n'a presque rien. Si on veut résumer, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer en détail de tous ces principes, mais les personnes intéressées étudieront elles-mêmes, un État, ou en tout cas une puissance militaire d'occupation, a besoin d'énormément de ressources et de personnes pour occuper un territoire, pour disperser sa force un peu partout sur le territoire. Par contre, des forces faibles qui veulent mettre en échec vont pouvoir, pendant un temps, pendant un moment très court, concentrer leurs forces pour paralyser à un endroit bien précis les forces ennemies, mais en étant supérieures temporairement à une armée d'occupation. C'est comme ça que l'IRA des origines en Irlande a mis en échec l'armée britannique. C'est comme ça qu'en fait on mène un conflit asymétrique. C'est comme ça que le MEND au Nigeria procède. Et du coup, la partie de ce conflit qui a le plus de ressources et d'occupation de territoire dépense la majorité de ses forces dans la logistique pour occuper. La partie qui elle est beaucoup plus faible va devoir tout naturellement concentrer ses forces dans l'intelligence, c'est-à-dire dans les renseignements, pour choisir au mieux sa cible, ce que nous verrons un peu plus tard. Bref, tout ça, on a déjà parlé de ça dans Full Spectrum Resistance, et on va passer à la suite. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est que le système, même s'il paraît surpuissant, il est de plus en plus instable. La force, ce qui fait qu'il est mondialisé, est aussi une part de sa faiblesse. La centralisation croissante de l'économie mondiale la rend de plus en plus vulnérable au blocage et aux perturbations. L'ensemble du système est hautement interdépendant. En ce moment, on a une preuve avec le virus qui se développe et qui met des petites piques à l'économie mondiale. On l'a vu en 2010 avec l'éruption d'un volcan islandais qui a provoqué 6 jours d'interruption du trafic aérien. Et parmi toutes les conséquences de cette éruption, il y a eu des pertes d'emplois au Kenya, il y a eu des annulations d'opérations chirurgicales en Irlande et l'arrêt de 3 lignes de production BMW en Allemagne. On va essayer de mettre à profit ce qu'on a étudié plus tôt, c'est-à-dire à la fois la structure et les valeurs du système,
pour voir comment ces deux parties sont indissociables si on veut s'attaquer au système, en même temps à sa structure et en même temps à ses valeurs. Dans le tableau que vous avez sur les yeux, il y a plusieurs entrées sur les valeurs et les structures du système et en quoi les différentes stratégies en fait s'attaquent soit aux valeurs, soit à la structure, mais rarement aux deux à la fois. C'est un tableau qui veut en fait pas plaisir en conférence. Oui, mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que les différentes stratégies sont nulles parce qu'elles ne s'attaquent pas aux deux piliers, donc qui est la structure et les valeurs du système. Mais c'est seulement pour imaginer en fait, d'autres formes de lutte qui se concentreraient en fait, à la fois sur rejeter les valeurs et attaquer la structure. Donc voilà, c'est le cadre de pensée qu'on va avoir dans cette partie. Alors, pour illustrer cela, on va prendre un exemple. Une expérience de pensée, qui est celui de la mine de charbon. Donc une des luttes écologistes est de combattre les entreprises qui extraient et expédient du charbon dans des trains, puis qui sont ensuite expédiées par bateau en Chine. Différentes stratégies sont possibles pour s'opposer à l'industrie de l'extraction, et c'est ce qu'on va voir à travers le tableau. Alors la première stratégie, qui représente la case en haut à gauche, est celle qu'on pourrait qualifier de la lutte syndicale. Elle consisterait à s'organiser pour faire pression grâce au corps intermédiaire. Donc dans ce cas, il s'agirait de participer à une cellule syndicale au sein des travailleurs et travailleuses de la mine pour améliorer les conditions de travail. On organise éventuellement une grève qui débouchera sur une certaine écoute des patrons et une amélioration des conditions de sécurité. On peut appeler ça un progrès social et c'est important. Cependant, la structure d'extraction reste en place, la mine continue de fonctionner, les voies ferrées fonctionnent, le minerai est toujours extrait. Donc les valeurs ne sont pas attaquées, la destruction du vivant continue, et l'exploitation, la division du travail n'est pas remise en question. Le charbon sert toujours à alimenter les usines. Après, celui-ci, c'est pas pour critiquer toute forme de syndicalisme, on sait qu'il y a un syndicalisme révolutionnaire, voilà, à condition qu'il soit révolutionnaire. Ouais. On connaît aussi l'histoire de l'Espagne et de la révolution sociale en Espagne, notamment grâce aux structures syndicales. Mais ici, en fait, d'un point de vue écologiste, que la mine soit autogérée par les travailleurs eux-mêmes, ça ne résout pas le problème écologique. Voilà. Après, c'est vrai même que... si c'est un progrès social. Oui. Et après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des luttes qui ont été menées, par exemple, d'Earth First, avec les travailleurs du bois, les bûcherons, contre l'industrie, parce que le capitalisme, les profits des patrons faisaient qu'ils voulaient absolument déforester. Des luttes peuvent être menées comme ça, mais nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que ça, en fait, ça conserve les valeurs et la structure du système, malheureusement. La case en bas à gauche, celle-ci on l'aime bien. Hein. On l'aime bien sur Floraison. la lutte institutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on veut arrêter. Donc, toujours l'objectif là maintenant, c'est d'arrêter l'extraction du charbon, puisqu'on s'attaque à la structure. On veut plus de charbon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pétition. Allez. Une pétition, elle est signée par 1 million de personnes. L'État prend en compte notre demande citoyenne et par électoralisme, il subventionne une énergie fossile alternative. Si nous sommes vraiment ambitieux, ambitieuses, allez, on adhère à une ONG. Super. On milite, on fait la promotion du capitalisme vert. Et par exemple, on va décerner une médaille de bonne conduite à une banque qui va investir moins dans le charbon et plus dans une autre source de pollution. Alors, certes, on a frappé la structure charbon. Concrètement, en fait, la structure se transforme, mais ce qu'on n'a pas critiqué, c'est la nécessité du développement de l'énergie. Elle n'est pas remise en question, ni de l'emploi. D'autres mines vont ouvrir pour l'exploitation du solaire ou de l'éolien, et ces mines pollueront. Et finalement, la civilisation industrielle continue de s'étendre, de se renouveler. Et même le système va nous remercier d'avoir repeint pour un temps sa façade en vert, en démocratique, en citoyen. Merci. Un autre argument aussi qui est utilisé dans la lutte institutionnelle, c'est pas d'emploi sur une planète morte.
Voilà, ça c'est l'argument d'Europe Écologie Les Verts. La valeur du système n'est pas remise en question quand on utilise cet argument, puisque le système valorise pas seulement l'emploi, mais aussi l'expansion, le confort, la hiérarchie et l'efficacité. Si nous condamnons les trains de charbon parce qu'ils sont une source de gaspillage, par exemple en disant le charbon ça va pas parce qu'en fait on gaspille trop, alors qu'en fait on pourrait gagner plus et perdre moins grâce au solaire, eh ben le système va nous remercier parce qu'il sera plus efficace, l'infrastructure de transport sera désengorgée, moins bruyante et l'efficacité aura augmenté. Voilà. Mais par contre, il sera toujours en place. Une troisième stratégie qu'on aime bien aussi à Floraison, qui s'appelle, on pourrait appeler ça la culture alternative. Donc c'est la case en haut à droite. Là, ce serait véritablement de fonder des éco-villages, d'adopter des éco-gestes. Voilà, on arrête d'utiliser notre voiture, on vit dans une maison plus petite, on fait notre propre culture, notre propre nourriture, on fabrique nos maisons et nos vêtements. Bref, on passe dans une politique zéro déchet. Et comme on l'a vu dans un podcast précédent, zéro déchet, zéro utilité, voilà, on fait tous ces gestes-là. Mais c'est bien de faire ça. Mais c'est bien de faire ça, on n'est pas contre ça. Hein, pourquoi c'est pas bien alors c'est quoi le problème avec ça? Y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'en en fait, on va se gargariser de se dire que si tout le monde adoptait ces gestes-là, eh ben, vraiment, la planète serait vachement mieux, quoi. Et c'est faux, en fait, parce que la structure, elle reste totalement intacte. Alors, en effet, les valeurs sont totalement opposées aux valeurs du système et de la civilisation, mais en revanche, la structure reste la même. Et elle est intacte, en fait. Elle n'est pas démolie, c'est pas parce que des personnes vivent autrement, qu'il y aura un changement de conscience et des mécanismes qui vont faire que la civilisation industrielle va s'effondrer, en fait. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est de penser que, en fait, la civilisation et le système va nous permettre de continuer de vivre à la marge, en fait. Si vraiment ces alternatives étaient dangereuses, je vous assure qu'il y aurait une répression qui forte sur les yourtes, par exemple. Mais en fait, les alternatives ne menacent pas trop la structure du système et c'est pour ça qu'elles sont encore tolérées. Et enfin, dans notre exemple, celui de la mine de charbon, en fait, c'est pas parce que certaines personnes n'utilisent pas des produits issus de l'extraction minière qu'en fait, ça va changer quelque chose. Ce qu'on critique dans la culture alternative, c'est quand elle se contente d'être une culture du retrait. Et qu'elle n'est pas dans une logique d'opposition au système. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? La case en bas à droite, écologie radicale, écologie révolutionnaire. Alors qu'est-ce que ce serait ? Du coup, une offensive qui toucherait à la fois les valeurs et la structure du système. Quel exemple on pourrait avoir ? Comment frapper les trains de charbon tout en annonçant le rejet de l'idéologie associée ? Bref, comment attaquer le train de charbon et son monde. Par exemple, ce serait détruire les infrastructures d'approvisionnement, saboter les voies ferrées. Ainsi, les trains de charbon n'iront plus nulle part, c'est bloqué, mais alors bien bloqué, et plus important encore, il n'y a aucun moyen pour le système de se rétablir selon ses propres termes, selon ses propres valeurs. C'est un exemple, celui des mines de charbon, on l'a pris parce qu'en fait, il résume tout un tas de problèmes. Le commerce mondial, l'exploitation minière ou l'électricité, et que tout ça est incompatible avec une planète vivante. Et via cet exemple, en fait, on communique au système une exigence, c'est-à-dire d'arrêter, une exigence dont il ne peut se défaire facilement. La résistance impose son propre cadre de pensée. Évidemment, il s'agit ici, et on l'a toujours fait, on l'a toujours dit, il s'agit ici d'une expérience de pensée seulement, c'est une expérience de pensée imaginaire. Nous n'appelons pas à faire exploser ou endommager quoi que ce soit. L'objectif est plutôt de montrer que toute résistance écologique sérieuse serait amenée à envisager ce genre de stratégie. Prenne position de manière radicale contre le système dans son ensemble. Car les valeurs, mais aussi les structures, les mécaniques même de la civilisation industrielle sont fondamentalement incompatibles avec le monde vivant.
Maintenant qu'on a vu la stratégie de l'écologie radicale, comment bien choisir sa cible ? Pour mettre véritablement le système à l'arrêt, pour ça en fait on doit penser en termes de flux, de nœuds et de goulots d'étranglement. Là où le charbon, le pétrole, les gaz sont extraits, transportés, traités et distribués. Chaque cible en fait a sa propre vulnérabilité qui peuvent être exploitées. Pour choisir au mieux sa cible, on vous propose la méthode Carver. Donc la méthode Carver est composée de 6 critères. La criticité, donc quelle est l'importance de la cible pour le système. L'accessibilité, est-il facile d'accéder à la cible. La réparabilité, combien de temps faudra-t-il au système pour réparer la cible. La vulnérabilité, est-il facile d'endommager la cible. L'effet, dans quelle mesure la perte de la cible va-t-elle nuire au système. Et la reconnaissabilité, la cible est-elle facile à identifier. Alors certains de ces critères semblent se recouper, tandis que d'autres ne s'associent pas. De nombreuses cibles peuvent être reconnaissables, comme par exemple des vitrines de magasins dans la rue. C'est des cibles qui peuvent être reconnaissables, vulnérables et facilement accessibles, mais généralement elles ne sont pas très critiques et elles peuvent être réparées facilement. D'un autre côté, d'autres cibles, comme par exemple les raffineries de pétrole, les barrages hydroélectriques, etc. Ces cibles sont extrêmement critiques pour le système, il en a vraiment besoin, et elles sont très difficiles à réparer, avec un effet conséquent, ça coûte cher. Par contre, elles sont difficiles à identifier, difficiles d'accès, difficiles à endommager, tout ça est très risqué. Donc cette matrice Carver, elle est utilisée non seulement par les armées, par les entreprises aussi, qui veulent conquérir des marchés, du coup qui veulent choisir leur cible, mais c'est utilisé aussi dans des mouvements dits non-violents, parce qu'en fait le critère de sélection des cibles est tout aussi important pour des pacifistes en fait. Et du coup on pourrait même rajouter dans cette liste la symbolique, parce que parfois, comme il est dans... comme c'est expliqué dans Full Spectrum Resistance, parfois en fait le degré, est-ce qu'une cible est symbolique, ça peut aussi compter dans le choix des cibles. Alors, par rapport aux structures de la civilisation industrielle, de l'industrialisme, si on applique cette matrice Carver et que chacune des cibles potentielles, que ce soit les plus apparentes ou les moins apparentes, dans les plus apparentes, les puits, les pipelines, les chemins de fer, les routes, les réservoirs, les raffineries, les centrales électriques, les ports, et dans les moins apparentes, les systèmes administratifs, financiers, la télécommunication. Si à toutes ces différentes cibles, on applique la matrice Carver, si par exemple à chacun des critères, on met une note, et au final on regarde les cibles qui en gros ont la meilleure note, une des cibles qui remplit le plus de critères possibles favorables par rapport à sa vulnérabilité, son effet, sa criticité, c'est... le réseau électrique. Oui, en effet, le réseau électrique est peut-être l'infrastructure du système la plus critique et susceptible de provoquer des échecs en cascade. Des attaques du réseau électrique peuvent ralentir l'extraction de charbon, arrêter les pompes et les stations, stopper les wagons-citernes, fermer les raffineries et les usines de traitement, ou perturber même l'administration des projets. L'électricité ne peut pas être stockée facilement, c'est ça qui en fait une cible très importante. Donc les opérateurs de réseau doivent répondre à la demande énergétique seconde après seconde et d'avoir un équilibre permanent entre production et consommation. Sur réseau en équilibre et interconnecté à l'échelle internationale, si la production devient trop forte ou trop faible par rapport à la demande, il y a un risque de blackout. Le blackout peut provoquer des dégâts en cascade, comme on l'a dit, et qui sont importants et qui mettent plusieurs jours à être réparés, voire plusieurs années, si les transformateurs à haute tension sont endommagés.
Alors pourquoi on parle de flux tendu et de goulot d'étranglement? C'est parce qu'en fait, si dans le cadre d'un conflit asymétrique, si un petit groupe ne peut pas cibler l'ensemble d'un réseau, il va, par intelligence, il va cibler l'endroit où le réseau est presque au maximum de ses capacités. Imaginons qu'en fait, un réseau dans une chaîne d'approvisionnement, il y ait des endroits qui soient utilisés seulement à 20% de leur capacité. Ça veut dire qu'il y a une résilience possible, ça veut dire que si ça s'est ralenti ou endommagé, ça va pouvoir tenir le choc, quoi. Alors que si c'est un endroit qui est utilisé à 80 ou 90% de sa capacité, très vite ça peut être bloqué et très vite ça met en échec, en fait en cascade, tout le reste du réseau. Il y a un exemple de ça, c'est, je crois que c'est il y a 2 ans à peu près, 2 ou 3 ans, à Gatwick, en Angleterre, donc un aéroport qui a été paralysé par des drones. On ne sait pas si c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais en tout cas sûrement très très peu de personnes qui sont arrivées à paralyser un énorme aéroport. Alors en fait, ça illustre bien comment on réfléchit en termes de goulot d'étranglement. C'est que pour paralyser le trafic aérien, évidemment, une personne ne va pas aller bloquer le ciel. Parce que il est vraiment pas utilisé à 80% de sa capacité, ni 100%, vraiment, vraiment pas du tout. Par contre, la piste d'atterrissage et de décollage, oui, elle est en flux tendu constant, presque à 100% de sa capacité en permanence. Si bien que la personne, en fait, a envoyé un petit groupe de drones programmés pour perturber les décollages et les atterrissages. Par sécurité, en fait, tout l'aéroport a été bloqué. Ça fait des millions et des millions de dégâts, surtout de pertes en fait de vol, parce que c'était pile au moment des fêtes. Pareil, là, c'est-à-dire que la personne qui a fait ça a bien choisi aussi son goulot d'étranglement par rapport au calendrier. Et la personne n'a jamais été arrêtée. C'est-à-dire qu'elle a fait ça, elle a lancé ses petits drones, ils sont allés faire leurs bêtises sur la piste d'atterrissage. La personne était déjà partie très 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 loin quand la sécurité s'en est aperçue. Si on parle de capacité, de marge de réseau par rapport au réseau électrique, en France, la marge de réserve est d'environ 23%. Donc on peut observer des congestions locales. Il y a certaines régions en France où c'est le réseau un peu congestionné, comme par exemple la Bretagne, comme par exemple le sud-est, parce que c'est des zones qui en fait ont une consommation supérieure à leur production. Le 10 janvier 2019, vers 21h, pour éviter un blackout total à cause d'un déséquilibre européen, RTE a demandé à 6 grands clients industriels de réduire instantanément la consommation, mettant les usines à l'arrêt. En fait, il faut bien comprendre que le réseau européen est connecté, et qu'en fait, il y a eu des problèmes entre la Bosnie et la Serbie, je crois, et entre l'Autriche et l'Allemagne. Et ça a perturbé, il y avait un risque, en gros, un risque de blackout. Ce qui est terrible, s'il y a un blackout, ça provoque des dégâts sur le réseau, et les exploitants ne veulent pas que ça arrive. Donc, ils mettent tout à l'arrêt. Et donc, non seulement, en fait, on met à l'arrêt les sources de production d'électricité et les sources de consommation. Ce qui, évidemment, instantanément, réduit la pollution et l'extermination du vivant. L'infrastructure électrique, sa plus grande vulnérabilité, c'est qu'elle est exposée. Elle est suspendue en fait au milieu des campagnes et c'est impossible de la surveiller en permanence. En cas d'un sabotage de poste électrique qui est très fragile, certaines usines seront mises immédiatement à l'arrêt, ce qui est une victoire sur les deux tableaux pour la planète. Car ça réduit à la fois l'activité industrielle et les émissions de gaz à effet de serre. Et quoi qu'il arrive, ce sera plus efficace qu'une COP21. Il y a même un film qui a basé toute son intrigue sur le sabotage des lignes électriques, c'est Woman at War. Alors c'est un chouette film, mais c'est très romancé, quoi. L'héroïne du film... c'est un beau film, mais l'héroïne du film prend des risques trop grands, quoi, légaux et physiques. Alors qu'en fait, il y a des activistes, des écologistes de longue date qui ont mis en place
des techniques de sabotage pour pas prendre de risques, enfin, en tout cas beaucoup moins, en déboulonnant les pylônes. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Earth First qui répertorie de nombreuses tactiques du genre. Donc en fait, techniquement, c'est pas le plus difficile techniquement de mettre à l'arrêt le système. Voilà, c'est faisable. Maintenant, en fait, la plus grande question, c'est la question morale, c'est la question de la légitimation de ça. C'est comment réagit le plus grand public face à un blackout qui a été provoqué par des activistes. Ouais, c'est ça qui nous conduit un peu à la dernière partie de cette conférence, sur le travail d'un ou d'une activiste à visage découvert, sur justement la légitimation de certaines stratégies au nom de la préservation du vivant et contre l'écocide en cours. C'est aussi un peu tout le travail qu'on fait à Floraison sur la diversité des tactiques et montrer qu'il y a d'autres tactiques qui sont moins mainstream que celles du mouvement écolo-climat français. Et donc c'est aussi un peu notre boulot sur Floraison. Donc dans cette dernière partie, on va parler de l'action à visage découvert. Et pour commencer, on va reprendre la formule de l'arcade qui nous semble très importante. Pour ceux et celles d'entre nous qui ne peuvent pas monter au front, et ce sera la plupart d'entre nous, notre travail consistera à créer une culture qui encouragera et promouvera une organisation politique et une résistance tenace. La tâche principale sera la loyauté et le soutien matériel. Pour permettre à une culture de résistance écologique tenace de se développer, les activistes à visage découvert doivent faire tout un travail de légitimation, c'est ce dont parlait. Faire la promotion de la diversité des tactiques, de l'action clandestine, comme faisant partie du spectre des stratégies possibles et même nécessaires, offre à la fois en fait, un soutien moral pour les activistes, mais aussi permet à de nouvelles cellules de se développer et de fonctionner efficacement. Le rôle principal de l'activiste à visage découvert, c'est la divulgation des stratégies que nous avons évoquées. Il existe deux champs dans lesquels aborder l'action clandestine, d'une manière passive ou active, et c'est ce qu'on va voir successivement. Alors la promotion passive tout d'abord. Qu'est-ce que la promotion passive ? C'est, pour tout un tas de raisons qui vous sont propres, évidemment, vous ne pouvez pas vous mettre en danger. Mais en toute sécurité, vous pouvez tout de même faire émerger une culture de résistance au sein d'une société qui peut être hostile à la perte de confort. Le strict minimum qui pourrait être fait pour apporter un soutien passif, ce serait d'adopter le « see something, say nothing ». En gros, ni vu ni connu. C'est-à-dire que ce qui revient en fait à ne pas dénoncer des actes de sabotage dont on pourrait être témoin, et d'encourager les autres à respecter cette règle du silence pour protéger les activistes qui prennent le plus de risques. Puis, un peu plus risqué, mais ça va encore, c'est passif, publiquement, en diffusant ou en commentant l'actualité, en parlant de tout ce qui va mal, plutôt que de se cacher les yeux, nier la réalité, parce qu'on a vite fait de retourner à nos vies et d'être dans un déni, mais rien que de commenter l'actualité et de parler des échecs avec lucidité des différents mouvements écologistes, cela permet d'inciter les gens, sans le dire, mais d'inciter les gens à envisager la possibilité qu'une autre stratégie est possible et surtout nécessaire. En ce sens, vous travaillez à l'émergence d'une culture plus offensive sans forcément déclarer le passage à l'action, ce qui ne vous mettra pas en danger. Aussi, il est important de parler de main à main, dans des espaces personnels, de votre soutien aux actions clandestines, de discuter avec vos proches de ces stratégies, et de faire passer les idées d'une écologie radicale. Attention quand même en France, parce qu'on a, au niveau de la délation, on a quelques traditions. Une promotion plus active maintenant. Donc si vous êtes en mesure de faire entendre une autre voix, et votre voix, vous pouvez partager les stratégies que nous venons de dire, et notamment de démontrer à quel point l'action souterraine est nécessaire. Vous pouvez soutenir publiquement les actions militantes, faire prendre conscience que nous sommes dans une période de guerre et qu'il est nécessaire de s'organiser pour mettre fin à la civilisation industrielle. Vous pouvez aussi envoyer des lettres de soutien aux prisonniers politiques du mouvement écologiste. Bref, vous pouvez contribuer publiquement à l'essor d'une culture de résistance.
Ça, c'est ce qu'ont fait notamment certains militants et militantes du JITER en août dernier, quand en plein direct, ils annoncent la diversité des stratégies et la nécessité de grimper un peu dans les stratégies offensives qu'ils sont amenés à mettre en œuvre. Donc tout ça, en fait, notamment, ça donnera du courage aux activistes qui sont sur le front et qui prennent le plus de risques. Mais aussi, ça donnera une chance de faire comprendre au grand public l'objectif et la nécessité de telles stratégies. Ces stratégies, on le sait bien, ils bénéficieront jamais d'un soutien des grands médias de masse. Par contre, attention, la frontière est assez mince entre la promotion et l'incitation. D'ailleurs, à ce titre, notre conférence est le fruit d'une réflexion intellectuelle, scientifique, humaine, mais c'est pas du tout un appel à l'action. La différence aussi entre le clandestin et le à visage découvert, c'est que prenant beaucoup plus de risques, les cellules clandestines doivent se protéger et limiter leurs contacts, et même ignorer l'existence de certaines autres cellules, ce qui rend la tâche plus difficile pour analyser la situation politique, analyser même les cibles ou quoi que ce soit, réfléchir à même... Et c'est pour ça qu'il faut certainement une part publique qui peut parler de ça, qui a envie de discuter et de réfléchir, qui peut soutenir aussi le travail de réflexion sur ce qui est en train de se passer. Et puis évidemment, en parallèle de la lutte, nous devons élaborer des moyens d'existence en harmonie avec notre environnement, et il est absolument nécessaire de soutenir la création de véritables alternatives à la civilisation industrielle. Donc, alors évidemment, c'est assez évident pour les ZAD parce qu'elles sont automatiquement connectées avec les luttes, puisque c'est un lieu de lutte. Mais nous devons vraiment nous assurer que ces mouvements de création d'alternatives sont liés aux luttes révolutionnaires. Nous avons besoin de permaculteurs qui régénèrent les sols pour que des gens puissent avoir la liberté d'échapper au travail salarié et d'investir leur temps de travail dans la résistance. Nous avons besoin que ces mouvements apportent un soutien matériel aux révolutionnaires. C'est dans ces arrière-fronts que les militants pourront aussi trouver refuge. Un réseau de soutien est nécessaire. La lutte au Chiapas, par exemple, s'est faite aussi par la création d'un réseau d'alternatives, d'une conquête de l'autonomie, s'incarnant dans des formes de vie permettant d'alimenter le front, que ce soit donc logistiquement pour la nourriture, pour les outils, pour les espaces de repos et de sociabilité, des informations, etc. Donc nous devons vraiment organiser et soutenir ces bases arrières pour lutter, mais pas seulement pour lutter, pour aussi mettre en lumière ce que pourrait constituer une organisation collective, égalitaire, libertaire, en marge et contre la civilisation industrielle. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. On a abordé énormément de choses qui nous semblent en tout cas très importantes. Comme le dit cette petite image, résister signifie sacrifice, détermination, persévérance et danger. Bref, ce podcast n'est pas très vendeur. Mais nous participons à une aventure humaine, animale, vivante. Donc créons des groupes affinitaires de confiance, inclusifs, de façon horizontale, pour créer dès aujourd'hui le monde que l'on veut voir demain. Enfin, il y a plusieurs choses qui nous mettent en action, qui nous redonnent une puissance d'agir. C'est d'abord de s'émerveiller face au monde qui nous entoure. On pense aux forêts, aux animaux, aux paysages. Donc c'est cet émerveillement et cet amour pour le vivant. Et c'est en le mélangeant avec la rage de le voir disparaître que l'on garde espoir afin de sauver ce qu'il reste de beau dans ce monde. Après ça, on a rajouté un dernier slide dans la conférence parce que souvent, la toute première question, si on finit comme ça, c'est « Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que tout le monde ne peut pas aller sur le front, voilà. Du coup, on a mis 5 stratégies qui s'inscrivent, qui sont compatibles avec notre grille de lecture et dans laquelle déjà énormément de personnes sont mobilisées, donc que ce soit les luttes, donc pour la justice sociale et écologique, la défense,
donc défense des territoires, les ZAD, l'organisation. Ça, c'est un énorme travail très important, parfois même ingrat et invisible, mais l'organisation de réseaux, de contacts, de inter-organisationnels, voilà, qui servent de base pour soutenir la résistance. La création, c'est ce dont on a parlé quand on parlait des cultures alternatives, mais à condition qu'elles ne soient pas des cultures de retrait, c'est-à-dire que non seulement elles imaginent des pratiques d'agriculture qui sont soutenables, et des modes d'organisation démocratiques, libertaires, féministes, antiracistes, mais connectés aux luttes, et évidemment... L'autonomie n'est pas l'autarcie. Voilà, et attaquer. Alors voilà, ça c'est... on a un peu insisté sur ce point dans cette conférence podcast, parce que c'est souvent délaissé, en fait, par le mouvement, alors qu'on en a autant besoin que le reste. Donc c'est-à-dire action directe contre les infrastructures... bloquer, perturber, saboter toute forme de pollution et de nuisance. Du coup, en conférence, souvent, on enchaîne direct sur... les questions. Des questions, des commentaires, des critiques. Il y en a certaines qui reviennent souvent. On commence à les connaître. Et en fait, par contre, le podcast commence à être long pour répondre à tout ça dans d'autres formats. Donc en tout cas, si vous avez des retours, n'hésitez pas, privilégiez le format audio, comme ça on peut en plus l'intégrer à un podcast, c'est chouette. Merci pour votre attention, à bientôt sur le blog Floraison. Ni capitalisme, ni civilisation. Vive la liberté et vive l'anarchie. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.